attention. Preuve. Parfait. Gonfler deux sacs en un temps record et parvenir à les faire crever par son partenaire muni d'une paire de grandes boxes, ça ne mettra personne knock-out, surtout pas Dominique. La première équipe qui fait éclater deux sacs. Et voilà, les rouges. Dans un combat comprenant un round de 30 minutes où l'arbitre, ancien boxeur lui-même, est nul autre que l'animateur. Le voici, le voilà, Gilles Payet. Ah, bienvenue à la pause des dés. Hein, oui, la pause double défi. J'entends bien une pause d'une demi-heure. C'est plutôt long comme pause, alors on va quand même passer cette pause d'une demi-heure en bonne compagnie. Je vous présente donc nos compagnons. D'abord, de l'équipe des Bleus, Isabelle Bergeron et Rémi Leduc. Ouais! Vous allez changer de côté. C'est pas un caprice d'animateur, c'est une règle qu'on s'est établie en partant. Alors, moi, j'aimerais demander, Isabelle, tu as sauté une année au primaire, laquelle? La quatrième. OK. Je peux te demander pourquoi? C'est mon père qui a décidé ça. OK. Et est-ce que ça te cause des inconvénients de sauter une année, de te retrouver avec des gens qui sont un petit peu plus vieux? Parce que toi, tu as 10 ans. Ouais. Et là, tu te retrouves avec du monde qui ont 11, 12 ans. Ça te cause des ennuis, ça? Non. Non? Est-ce que les autres deviennent trop forts à ce moment-là pour toi? Non. Non? Mon Dieu, tu as l'air d'avoir beaucoup de talent et être très intelligent. Merci. Ça va bien. Est-ce que vous êtes dans la même classe avec Rémi? Non. Non, pas dans la même classe. Rémi, tu fais de la batterie. Tu joues de la batterie? Ben oui, j'en faisais, là. J'en faisais. Mais là, ça, c'est bruyant, de la batterie. Ça, t'as pris des cours de batterie? Ouais. Et là, tu joues de la batterie dans le sous-sol, quelque chose? Ben, je joue sur les divans, puis... Tu joues sur les divans? Ouais. Est-ce que vous avez... ça fait combien de divans que tu passes, là? Quelques-uns. ça coûterait peut-être moins cher d'avoir la vraie batterie. T'as un grand rêve, on m'a dit... Sur une île, c'est ça? Oui. OK, avec beaucoup d'argent? Oui. Mais qu'est-ce que tu ferais avec beaucoup d'argent sur une île tout seul? Ben, je voulais pas être tout seul, mais tu sais, une assez grande île, puis avec des gens, mais... Tu sais, un gros party. On va en faire un pendant 25-30 minutes ici. Je vous présente l'équipe avec qui vous allez jouer. Ils sont les Rouges aujourd'hui, Stéphanie Bernier, Jasmin Desnoyers. Stéphanie veut devenir dessinatrice de mode. Oui. Est-ce que tu as commencé à faire des petits dessins déjà? Oui. Qu'est-ce que tu dessines? Ben, des bonnes femmes, puis des messieurs, là, des bonnes chats. Femmes, puis des bonhommes. Ouais. OK, tu dessines quelle sorte de vêtements, là? Surtout des manteaux, surtout des pantalons, surtout des jupes? Surtout... Des robes. Des robes, mais pas pour les messieurs quand même? Non. OK. Pourrais-tu me dessiner, je sais pas moi, un habit de skidoo? Ouais. C'est pas trop compliqué? Non. Une pièce, mais un grand zipper. On va demander à Jasmin qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. Tu fais un petit peu de sport, sans doute. Oui. Qu'est-ce que tu pratiques? Le kung-fu. Le kung-fu. Mon Dieu, la première question qui me vient comme ça, quelle différence qu'il y a entre le kung-fu et le karaté? Kung-fu, t'apprends plus à te des armes, des affaires comme ça. Okay. Ah, OK, avec des objets, là. Comme un sofa. Tu peux te défendre contre un sofa. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ben, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça aide à tenir en forme? Oui. Oui, tu vas me donner des cours après l'émission? Faire 15 push-ups? Peut-être. Vous avez déjà 5 points, je vous fais remarquer sur votre petit compteur derrière. C'est pour avoir fait le jeu du début avec les gants de boxe. Tu te sers de gants de boxe au kung-fu? Des fois. Des fois. Alors, sachez, et ça vaut pour vous aussi, que gagnant ou pas, on part toujours en souriant de double défi. Alors, pour savoir comment, pourquoi, avec qui, on écoute Gino. À toi. Merci, Gilles. Le pointage final obtenu par l'équipe gagnante sera remis sous forme d'argent grâce à l'unité de Reebok, les champions du confort. En plus de ces fameux souliers de course, Reebok a tout pour vous plaire. Une gamme de vêtements sport qui vous donneront une allure du tonnerre ainsi que des gadgets follement amusants et très pratiques. Voilà! Bonne chance aux deux équipes. On commence avec les Rouges. Donc, une première question. La voici, ça vaut 5 points si on répond tout de suite. Lequel des 5 grands lacs est entièrement situé aux États-Unis? Défi. On lance le défi au bleu. Je répète maintenant pour 10 points. Lequel des 5 grands lacs est entièrement situé aux États-Unis? Double défi. Double défi. Dernière chance donc pour les Rouges. Lequel des 5 grands lacs est entièrement situé aux États-Unis?
Épreuve. C'est le lac Michigan. C'est celui-là des cinq. Alors, on va aller jouer tranquillement à la chasse au canard. Alors, Stéphanie et Jasmin, ça me prend un de chaque côté. Tu veux venir de ce côté ici, Stéphanie? Non, Jasmin? OK. Jasmin, tu vas viser les canards. Évidemment, ce sont des canards bien nourris, là. Pouette, pouette, pouette. Tu fais attention avec ça parce que ça vise un petit peu croche. Il faut vraiment, là, comme tout le monde, Julie, t'y prendre comme ça. Quand il n'y a plus de pression, t'en prends un autre. L'idée, c'est de les faire tomber un par un. OK? Tu ne vises pas, là, tu fais pas la Rambo, là, tu ne mitrailles pas. Hein? Hein? Alors, ton travail à toi, avec une petite paire de lunettes aussi, ça va être pratique, c'est d'attraper le canard qui tombe à mesure qu'il est tombé de là, là. Est-ce que tu me suis? Oui, OK. Bouge pas. Ça prend une, deux, trois canards. On prend trois canards attrapés dans le seau. Attention de ne pas atteindre ta copine. Vous avez 20 secondes. Attention, prêt, partez! On lance! Un canard! Pas facile, hein? On a les trois canards! On va faire un petit ménage à l'aide de nos zamboni et on revient dans deux minutes. Ça semble une émission qui s'annonce assez humide aujourd'hui pour voir le reste de les autres à Dominici! Avant d'aller plus loin, on jette un coup d'œil au score. Du côté des bleus, on n'a pas de points accumulés pour l'instant. Donc, zéro. Mais du côté des rouges, ça va bien. 25 points sont là. Alors, la question va aux rouges. On a remporté l'épreuve de la chasse aux canards. C'est la danse des canards. Vous connaissez ça? Oui? Qui chante ça? C'est Nathalie. C'est ça? Question pour 5 points. Comment s'appelle le grand chapeau de feutre typique des Mexicains? Un sombrero. Un sombrero, oui. 5 points. Une autre question à 5 points. On continue. Combien y a-t-il de lettres E dans le mot enfantillage? On doit répondre. Il y a deux E, le premier et le dernier. Alors, petite bévue, pas tellement grave. 5 points qui vont du côté des bleus et on se retourne de ce côté. La nervosité est très grande, il faut le dire aussi. Voici donc une question pour les bleus. Un parcours régulier de golf comprend combien de trous? Défi. On lance le défi au rouge, je répète, pour 10 points. Un parcours régulier de golf comporte combien de trous? 18. 18 trous. Bonne réponse. 10 points. Le 19e étant la brasserie. Ça, on vous expliquera ça un jour. Dans quel état américain peut-on voir le mont McKinley, le plus haut sommet d'Amérique du Nord? Défi. On lance le défi au bleu. Je répète pour 10 points. Dans quel état américain peut-on voir le mont McKinley, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Nord? Double défi. C'est un double défi. Dernière chance donc pour les rouges. Dans quel état américain peut-on voir le mont McKinley, le plus haut sommet d'Amérique du Nord? Épreuve. C'est en Alaska. L'Alaska, qui est un état américain, il faut s'en souvenir. Alors, Stéphanie et Jasmin, là, vous ne m'aimerez pas, là. Mais il faut le faire, car 20 points sont en jeu. OK? Alors, là-dedans, il y a des fraises. OK? Alors, sans les mains, donc les mains dans le dos, vous allez vous arranger pour trouver la fraise. La première que vous allez porter dans le petit plat là-bas. OK? Et vous revenez pour aller en chercher une deuxième. Chacun, deux fraises. OK? Ça va être drôle de vous voir la fraise, d'ailleurs, après. 30 secondes, quand même. Attention. Prêt? Partez! On a nos quatre fraises et 20 points en plus pour les rouges.
Alors, une question à 5 points. Les chats siamois, ça va? Oui, vous en avez mangé un petit peu, là? Ça va? Ça va? Ouais. Ça va, ça va, ça va? OK. Les chats siamois ont les yeux de quelle couleur? Bleu. 5 points, bravo. Une autre question pour les rouges. Quel cinéaste a fait connaître Mickey Mouse au monde entier? Walt Disney. 5 points, très bonne réponse. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. On arrête ici et au retour, la deuxième manche. Restez là! Et pour débuter cette deuxième manche, on aura un jeu qui mettra à l'épreuve l'adresse de nos concurrents. À double défi! Voilà, cet ensemble Reebok, signe de confort et de qualité, est offert comme ça tous les jours à nos amis en studio. J'ai la chanceuse d'aujourd'hui qui est à mes côtés. Tu me donnes ton nom? Katrina! Alors, Katrina a gagné l'ensemble Reebok d'aujourd'hui. Félicitations! Tu pourras pratiquer des sports à toute chaleur. Maintenant, on va aller voir un jeu de deuxième manche, le jeu de sélection. On va faire l'épreuve, l'adresse de nos concurrents. Voyons voir ce que ça donne. À toi, M. Gilles. Alors, effectivement, comme l'a dit Gino, on va faire notre petit jeu de sélection. Avant tout, jetons un coup d'œil au score. Du côté des Bleus, on a 5 points. Rouge, 60. Attention, cette avance n'est pas insurmontable du tout. Le jeu qu'on fait vaut 10 points. On est en deuxième manche. Ensuite, ça va déterminer l'équipe gagnante. Le jeu est simple. L'équipe qui fait un aller-retour, la première. Donc, il faut lancer la balle. Une fois que c'est attrapé, là, on peut se mettre à lancer la balle pour le chemin du retour. Première équipe qui fait ça, gagne 10 points et commence les questions. Attention, prêt, partez! Alors, on a de l'avance, côté des Bleus. Et voilà les Bleus! Et voilà, la magie! Vous voilà avec 10 points de plus et la prochaine question est pour vous, pour 10 points. Les Zoulous vivent-ils en Afrique du Sud, en Australie ou au Brésil? Afrique du Sud. Bonne réponse, 10 points. L'opossum est-il un animal, un oiseau ou un poisson? Défi. On lance le défi au rouge pour 20 points. L'opossum est-il un animal, un oiseau ou un poisson? Double défi. Dernière chance pour les Bleus. 40 points sont en jeu. L'opossum est-il un animal, un oiseau ou un poisson? Épreuve. Épreuve. On choisit l'épreuve. L'opossum est un animal. Alors, on va jouer à remonter les jouets. Alors, l'animal, comme disait l'oncle Pierre, a inventé ce jeu. Remontez les jouets. Vous avez remarqué qu'il y a une petite clé là pour remonter chaque jeu. Il faut que, à la fin du 20 secondes qu'on va vous donner, tous les jeux, sans exception, soient en action. OK? Attention, prêt, partez! Alors, on commence avec le jeu de remonter les jouets. Alors, il y en a un qui bouge. Il ne faut pas qu'il tombe, évidemment. C'est pas facile parce que si tout remonter, il me perd. Oh là là, effectivement, c'est pas facile. Les 40 points vont au rouge. Alors, on continue avec une question maintenant pour les rouges. À 10 points toujours, quelle île du Québec possède un réseau de stations de métro? Défi. On lance le défi au bleu. Je répète pour 20 points. Quelle île du Québec possède un réseau de stations de métro? L'île Sainte-Hélène. Est-ce qu'on l'accepte? Ça fait partie de l'île dont on parle. C'est l'île de Montréal. L'île de Montréal comporte effectivement un réseau de stations de métro.
Et qu'on a eu chaud. Pour 10 points maintenant, quelle est la principale langue parlée en Égypte? Défi. On lance le défi au rouge maintenant pour 20 points. Quelle est la principale langue parlée en Égypte? Double défi, effectivement. Donc, c'est l'ultimatum. Quelle est la principale langue parlée en Égypte? Épreuve. C'est l'arabe. Alors, Isabelle et Rémi vont se taper le jeu suivant, aquarium et crème. Alors, on vous donne 20 secondes. On va te bander les yeux pour compliquer la tâche. Il y a une sorte de stuff ici, là, crémeux, dans lequel on trouve des bébites, OK? Alors, il m'en faut 3 que tu vas devoir lancer au vol. Tu sais où est ta copine? Elle est de mon côté ici, là. OK? Hein? Coucou! OK. Veux-tu tes lunettes? Non? Non, par-dessus, ça ne sert pas beaucoup. OK? Alors, il se peut que tu aies les mains un peu mauves, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est d'envoyer les bébites dans le pantalon de ta copine. Attention. 20 secondes. Évidemment, ce n'est pas son pantalon à elle, c'est le pantalon de Gino. Attention. Prêt? Partez! On a... Alors, c'est pas facile, on cherche les bébés. On n'a pas les 3 bébés dans le pantalon, là, hein? Alors, ça va? Les 40 points vont au rouge. Ah, ma foi, avez-vous vu ce bébitorium? Il y a les aquariums pour les poissons, mais il y a les bébitoriums pour les bébés. Dans la série, les rouges, pour 10 points, dans la série de films La Panthère Rose, comment s'appelait le fameux inspecteur distrait interprété par Peter Sellers? Défi. On lance le défi au rouge. Voilà votre chance. Dans la série de films La Panthère Rose, comment s'appelait le fameux inspecteur qui était très distrait, là, joué par Peter Sellers? Double défi. Dernière chance pour 40 points dans la série de films La Panthère Rose. Comment s'appelait le fameux inspecteur distrait joué par Peter Sellers? C'est l'inspecteur Clouzot! Ah! Vous avez déjà entendu. Ah non! Pour avoir vos 40 points. Le tout s'arrête ici. 45 contre 150. Les rouges sont gagnants. Bravo! Bravo certainement, et Reebok aussi tient à les féliciter. Chaque membre de l'équipe des Bleus quitte avec chacun une montre sport Reebok. Et l'équipe des Rouges, elle, c'est 150 points transformés en dollars, donc 75 $ qu'ils se partagent chacun. Voilà, dans une petite minute, c'est la course d'obstacles qui s'en vient. Le temps aux machinistes d'installer les 8 obstacles du jour. Et vous allez voir, on va s'amuser. 8 prises, 60 secondes et beaucoup, mais beaucoup d'action. Tout ça à double défi! Stéphanie Bernier, Jasmin Desnoyers, notre équipe victorieuse avec 150 points. Quelle école vous fréquentez, vous autres? Moi, c'est l'école Jeanne-Mance. C'est pas la même école que Jasmin? Non. C'est l'école? Crevier. Crevier, c'est où, ça? C'est dans le coin de Marieville, les deux? Oui? Dans le même coin, dans la même province, en tout cas. OK? C'est l'essentiel. Do you speak English? Non. Non? OK. So, we'll explain it in English, French. This is the first course. C'est la première chose que je vais vous montrer. Notre course d'aujourd'hui. Voici le premier...